Don't miss KC40, June 24th, Miami, Florida. Cuando era niño, mi hermano John regresaba de su trabajo y me enseñaba karate en el patio de la casa. John me enseñó más que karate, él me enseñó cómo sobrevivir en un mundo brutal. Cuando yo tenía 12 años, a mi hermano lo asesinaron a balazos en la calle. Durante años pensaba en venganza. Regresé a practicar karate para vengar a mi hermano. Mi sensei me dijo que ese no era el camino. Ahora honro a mi hermano. Siento que mi hermano está conmigo dándome su energía. Cada combate se lo dedico a él. Y nunca lo dejaré de hacer. Bonjour, je me présente, Ilyes Mardi, dit The Madman. Je suis né le 25-09-97 à Bourges, dans le centre de la France, et j'ai grandi un peu partout à Paris, Orléans et Montpellier. Mais maintenant, je suis sur Paris, à Sevran, et c'est la jungle. J'ai découvert le karaté à l'âge de 7 ans. C'est mon oncle qui m'a mis dedans, de parce que je me battais tout le temps. Le karaté, ça m'a aidé, je me suis assagi avec le temps. Parce qu'avant, j'étais vraiment plus fou que ça. Bien sûr, savoir se défendre, c'est toujours bien. On gagne le respect des gens et on respecte tout le monde. C'est Davy un peu qui m'a sauvé, grâce à Karaté Combat. C'est lui qui m'a fait rentrer dedans. Et voilà, maintenant j'en suis là pour la ceinture et je vais aller la chercher pour lui. Pour cette ceinture, je vais vraiment tout faire. Je me suis entraîné dur, je m'entraîne dur. Je vais tout donner pour le club, pour ma famille, pour tout le monde. Et je vais le mettre KO. Et il le sait, je vais le mettre KO. Matin, boxe anglaise, l'après-midi, cardio, muscu. Et voilà, c'est ça tous les jours, toute l'année. Bah, c'est la discipline, hein. Ça apprend à forger un caractère. Discipline, rigueur, ponctualité, ça passe par là. J'ai trimé, et je viens de loin, et croyez-moi, c'est pas lui qui va m'arrêter. C'est moi, je suis fou, demande à qui vous voulez, mes gars, mes coachs, même ma famille, savent que je suis fou. Je m'appelle Ilyes Mardi. Je vous aurais prévenu. We are back with KC40, June 24, live from Miami, Florida. And oh, big right hand from Samuel Erickson. A welterweight clash between Samuel Erickson and Alexandre Budabay. Gabriel Varga versus Edgar Scrivers for the number one contender spot in the lightweight division. First time in karate combat history, we have a belt unification. We have our champion, Joshua Quayhagan, versus the interim champion, Rafael Acosta. Don't miss KC40, June 24th, Miami, Florida. Thanks for watching. I'm Layla. And if you liked what you just saw, make sure you subscribe.